manquer de tchatch. Qu'il essaye de faire marcher son mal d'esprit, mais ce qu'il ressent, mais manque de temps, le courage, bon présage. Son exutoire, son rejet, son purgatoire, sa manière d'établir le lien entre les autres et cette masse. L'excès, il connaît ses limites, les méconnaît, mais reconnaît un devoir exclusif et subversif devant tous ses faits. Son rejet, son exutoire, son purgatoire, sa manière d'établir le lien entre les autres et cette masse. Il avale son micro dans son esprit, dégueule ses mots. C'est quand il est chaud qu'il sort ses lyrics par kilo. Il a traîné, ramassé, rapouillé à n'importe quel degré. La sueur au fond, le cœur en feu, avant les dangers de l'insipipit dans un sale que l'on lui sert. L'air de rien, elle lui bouffe son oisement de l'hémisphère. Ritourner l'incesteuse, turpitude venimeuse. Elles englobent ses lobes et ses fibres nerveuses. Pour faire germer des idées fraîches, la réflexion comme odeur de l'activité pour ne pas rester un pion. Sans pour autant surdiscuter comme seule solution. Stoppons net les débats quand il n'y a pas de conclusion. C'est cela, fait espidonner, rien que pour le plaisir. Comme un gosse qui n'aura jamais en lui cette envie de grandir. Pour ne pas passer ma vie à échapper au temps et à toute la pluie que Charlie a duré en pensant. On pompier des pensées sans lien son corps, triste au vie, mauvaise rumination excessive à l'espérance de vie. On pompier des pensées sans lien son corps, triste au vie, mauvaise rumination excessive à l'espérance de vie possible. Nous sommes une expérience en mouvement, nous sommes une espèce en voie d'expansion, nous sommes le virus le plus virulent, nous sommes la voie d'un guérison, oui, nous sommes une expérience en mouvement, nous sommes une espèce en voie d'expansion, nous sommes le virus le plus virulent, nous sommes la voie d'un guérison. J'ai retourné sur moi-même, je vois qu'un tas de détritus s'entassaient dans le salon. Pour la cuisine, c'est la même. Une crasse malsaine inonde l'évier, l'eau est coupée pour deux ponts. J'ai retourné sur moi-même, je vois qu'un tas de détritus s'entassaient dans le salon. Pour la cuisine, c'est la même. Une crasse malsaine inonde l'évier, l'eau est coupée pour deux ponts. J'ai plongé dans les tréfonds de la marginalisation. J'ai flirté avec les frontières de la folie et de la raison. J'ai joué à la roulette russe comme on joue à des jeux cons, en espérant que l'unique bague serait celle de ma rédemption. Comment vivre ici quand on n'a pas grandi? Pourquoi la simplicité, il ne l'a pas choisi? Car ses rêves de gosse l'obsèdent et le pousse à monter sur cette scène. Ressentir l'émotion que cette machine génère, associée à ses voix, ses textes, ses proches, ses compères. Que ce manifeste le mieux, qu'il s'exprime le mieux. Mais car on se rend Dieu, du bonheur plein les yeux. Sans aucune raison, ma colère se déverse comme la pluie soudaine inverse. Un bel après-midi de printemps et tant qu'à faire. Pourquoi lutter plus longtemps quand les sentiments surplombent la clairvoyance et pas l'inverse? Le même dilemme, revenir à la raison et subir l'oppression mentale, ou rester dans ma police cataloguée comme un marginal. J'ai choisi, eux aussi je serai leur problème. J'ai choisi, eux aussi je serai leur problème. J'ai choisi, eux aussi je serai leur problème.